Du massacre des prisonniers politiques en 88 à la répression actuelle. Au cours des derniers mois de la guerre Iran-Irak, Khomeini décide de lancer un plan qu'il fait préparer depuis longtemps. L'exécution de tous les prisonniers de l'OMPI, les Moudjahidines du peuple d'Iran, qu'il taxe d'hypocrites. Tous ceux qui, dans les prisons, persistent à maintenir leur position hypocrite seront considérés en guerre contre Dieu et condamnés à mort, écrit-il dans une fatwa, un décret religieux. Dans ce décret, il nomme aussi les membres de la commission de la mort, chargée des basses œuvres. Hossein Ali Nahiri, président de la commission, Ebrahim Raisi, substitut du procureur, Mostafa Pourmohammadi, représentant du ministère du renseignement, et un certain Eshraghi. À cette époque, Ghulam Hossein Mohseni Ejei représente le pouvoir judiciaire auprès du ministère. Dans son décret, Khomeini désigne également les membres des commissions de la mort dans les centres de province. Elles commencent toutes leur œuvre sinistre à la fin de juillet 88, massacrant en quelques semaines les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons du pays. Le sort de chaque prisonnier sera scellé par sa réponse à une seule question posée par les membres de la dite commission. À quel groupe appartenez-vous? Tous ceux qui vont répondre aux Moudjahidines du peuple seront exécutés. Ce grand massacre a été perpétré dans le plus grand secret. Dans la plupart des prisons du pays, il ne restera pas un seul survivant pour témoigner. Plus tard, certains documents révéleront en partie l'ampleur de la tragédie. Les plus importants sont les lettres adressées à Khomeini et à ses hommes de main par l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, alors son successeur désigné. En fait, deux jours après la promulgation du décret, il parle de la récente fatwa émise par votre éminence sur l'exécution des hypocrites se trouvant toujours en prison. Et ça pour protester contre l'exécution de plusieurs milliers de prisonniers en quelques jours. Conséquence de cette protestation, Montazeri sera déchu de son titre de successeur désigné. Dans sa lettre aux membres de la commission de la mort, Montazeri parle également du massacre des Moudjahidines du peuple. Ahmad Khomeini, sollicité par le chef du pouvoir judiciaire, pose un nombre de questions à son père. Dans une courte réponse, Khomeini précise « Dans tous les cas, et à quelque étape qu'il soit, tout individu qui maintient sa position d'hypocrite sera condamné à mort. Anéantissez sans délai les ennemis de l'islam. En ce qui concerne les modalités à suivre pour l'examen des dossiers, celles qui favoriseront une exécution plus rapide de la sentence seront les bonnes modalités. » 10 ans plus tard, Amnesty International et Human Rights Watch qualifieront ce massacre de crime contre l'humanité. Sur le nombre de victimes, quelques chiffres sont très révélateurs. Un rapport de l'ONU, la même année, précise par exemple que les 14, 15 et 16 août 1988, les corps de 860 personnes ont été transférés de la prison des Vignes au cimetière de Behesht-e-Zahra à Téhéran. Dans un enregistrement vidéo à l'adresse du secrétaire général de l'ONU, Reza Malek, un haut responsable du ministère du renseignement des Mollahs, aujourd'hui emprisonné à Evine, pour avoir été le premier a révélé les assassinats politiques en série, témoigne. Pendant plusieurs nuits en 88, plus de 33 700 corps de prisonniers ont été enterrés dans des charniers. «
زندانیانی دارای حکم 5 سال 2 سال 1 سال حکم داشتن اعدام و در گروه های دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدن. L'hebdomadaire britannique Sunday Times rapporte que 30 000 prisonniers ont été assassinés lors de ce massacre. Toutes les autorités du régime ont été impliquées de près dans ce crime monstrueux. De Khomeini et Khamenei, alors président de la République, au chef du pouvoir judiciaire, au procureur général, au directeur des prisons, au chef des pasdaran. Mais 4 d'entre eux y ont été particulièrement impliqués. Ces responsables occupent toujours de très hautes positions judiciaires au sein du régime et ont été directement impliqués dans la répression des insurgés au cours de la récente insurrection. Le mollah Hossein Ali Nayeri est actuellement vice-président de la Cour suprême pour les affaires judiciaires. Il essaie toujours de garder un profil bas en raison de son rôle dans le massacre de 88. Le mollah Mohseni Ejei, procureur général du régime, a menacé les manifestants après le soulèvement qu'ils risquaient la peine de mort s'ils refusaient de se repentir. Ministre du renseignement pendant 5 ans, il a été aussi un des responsables des assassinats politiques en Syrie. Dans des déclarations menaçantes à l'adresse des manifestants, le mollah Pour Mohammadi avance « Le pouvoir judiciaire est déterminé à rester ferme pour rétablir la sécurité et empêcher les violations des droits du peuple et de l'État. Et dans ce but, il ne se laissera pas influencer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. » Lorsqu'Ahmadinejad a nommé Pour Mohammadi et Mohseni Ejei, le premier au ministère de l'Intérieur et le second au renseignement, l'organisation Human Rights Watch les a qualifiés de ministres de la mort. Le numéro 2 du pouvoir judiciaire depuis des années, le mollah Raisi, a accusé tous les insurgés du 27 décembre dernier, la Shura, et tous ceux qui sont liés aux Mujahidines, d'une manière ou d'une autre, d'être en guerre contre Dieu. محاربه عنوانی است برای کسی که سلب امنیت عمومی بکند و مردم رو بترساند بیا تو صف آزادارا اونچه که اتفاق افتاد در روز عاشورا اینها میتونه مصادیق محاربه باشه به عنوان محاربه داشته باشه منتهاش محاربه گاهی یک سازمانه یک سازمان میشه سازمان محارب مثل سازمان منافقین در جریان سازمان منافقین هر کس به هر نحوی تحت هر شرایطی به سازمان منافقین کمک کنه این عنوان چون جریان سازمانی یافته است عنوان محاربه دارد منیره رجوی un symbole des prisonniers massacrés elle était mariée et avait 2 enfants dont l'un est resté emprisonné avec elle pendant des mois son époux avait été exécuté 3 ans auparavant Le seul motif pour son exécution a été d'être la sœur de Massoud Rajavi, dirigeant de la résistance iranienne. Amnesty International l'a qualifiée de prisonnière de conscience. Elle avait été condamnée à 3 ans de prison, mais a été exécutée 4 ans après la fin de sa peine. Elle a été placée sous une énorme pression pour faire des déclarations mensongères et contraire à ses convictions dans le sens souhaité par le régime. Elle n'a jamais cédé à ses pressions. Membre d'Amnesty International pendant des années,
Elle était une activiste des droits de l'homme.